Vendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Soyez cool, monsieur l'officier. Laissez-moi ma high grade, high grade, high grade. C'est juste un tout petit sachet. Rendez-moi ma high grade, high grade, high grade. Y'a vraiment... Somebody call 911. Hey yo tout le monde, c'est Lite, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va plutôt bien les amis. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Wallbrecht sur GTA 5 Online version 1.16. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à Wallbrecht l'Eclipse Tower. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Eclipse Tower, c'est tout simplement le building où se trouve l'appart à 400 000 et à 500 000. Donc je sais pas si vous connaissez encore ce Wallbrecht, mais pour ma part je l'ai découvert par pur hasard en jouant en solo la semaine dernière. Si c'est le cas et que vous connaissez l'astuce, j'en suis vraiment désolé, bah vous pouvez quitter la vidéo. Donc je tiens tout d'abord à remercier Tinjus88 et Evan88650 qui étaient avec moi pour réaliser ce petit Wallbrecht. Donc pour réaliser ce petit Wallbrecht, il va falloir vous munir d'un véhicule plutôt haut. Donc vous pouvez déjà oublier la Turismo ou la Entity XF, tout ce qui touche au véhicule bas. Vous pouvez oublier, optez plutôt pour un véhicule haut comme moi dans la vidéo si vous en avez un en votre possession. Une fois le véhicule en votre possession, collez-vous tout comme moi à la porte du garage, sortez de votre véhicule en vous éloignant de la zone d'activation du garage, autrement dit le petit rond bleu qui vous permet d'accéder à votre garage, éloignez-vous-en. Sortez votre téléphone et appelez le mécano pour éviter de rentrer dans votre garage. Une fois que le menu du mécano s'affiche, vous allez pouvoir vous approcher du véhicule collé au mur et grimper dessus avec du bouton carré sur PS3 et X sur Xbox. Une fois monté sur le véhicule, il ne vous restera plus qu'à refaire carré ou X selon votre plateforme pour remonter sur l'angle du mur. Et vous allez rentrer à l'intérieur de l'Eclipse Tower et vous allez marcher au-dessus du sol du garage de l'Eclipse Tower, ce qui est plutôt fun et cool. Donc à préciser que vous êtes invincible mais vous ne pouvez tuer personne car une vitre incassable vous empêche de tirer sur les passants dans la rue qui passent dans la rue donc de l'Eclipse Tower. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo. Ça me fera plaisir, ça va m'aider à progresser, ça vous prend 10 secondes. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, les liens sont dans la description où vous pourrez bénéficier de plein d'avantages. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite de mon aventure. Bon, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers.